4h du matin. J'ai une bonne nouvelle, c'est un nouveau voyage qui commence. On est parti pour aller à l'aéroport d'Orly. Paris-Athènes, 3h. J'ai pris le Uber du 13e jusqu'à Orly, c'est 25€, donc c'est pas très cher. Et je vais essayer de pas être en retard parce que j'étais supposé partir il y a 20 minutes et je suis déjà en retard. J'adore les rues de Paris. Le matin, on est parti récupérer le Uber. Donc je vous disais 25€ pour un Paris-Orly. C'est les prix maintenant, c'est régulé. Avant les prix étaient moins chers, mais maintenant ils ont adapté les prix. Et donc du coup, que ce soit un taxi, que ce soit un Uber, c'est toujours 25€. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Donc c'est Paris jusqu'à Athènes, le vol dure 3 heures. À Athènes, moi j'ai trouvé donc un Airbnb qui va me coûter 280€ pour 8 jours. J'ai déjà été à Athènes il y a 10 ans, j'y avais été pour l'anniversaire de ma mère, je l'avais invité là-bas, ça avait été très sympa, j'y retourne, je suis assez excité, je vais y retourner d'une façon un peu différente puisque la dernière fois c'était plus en mode visite avec ma mère, cette fois-ci ça va être un petit peu plus en mode excursion, découverte, et on va essayer surtout de rencontrer des gens qui vivent là-bas, des locaux, et ça je vous avoue que je suis très excité à l'idée de faire ça. Voilà, Paris-Athènes, une fois que je suis à Athènes, donc c'est 8 jours à Athènes, je vais aller passer 4 jours en Albanie. Et une fois que j'aurai fait ces 4 jours en Albanie, je vais aller à Garches, qui se trouve dans les montagnes de l'Albanie, pour découvrir les montagnes et surtout pour faire de la randonnée. J'ai amené avec moi dans mon sac mon drone. Allô ? Ouais, je suis juste là.